Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vous étiez déjà plusieurs à me demander à quand le prochain concours. Et ben voilà, il est déjà là. J'ai reçu hier le kit. Hop, le voilà. Et donc, ben, j'ai donc décidé de faire le concours déjà maintenant. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche, jour de la fête des mères. Donc, ben, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de faire le concours. Donc là, la boutique partenaire qui a accepté de vous offrir un kit pour ce concours, c'est la boutique Victoria Moon, voilà, qui a très gentiment accepté, qui m'a laissé choisir le kit comme d'habitude. Et comme d'habitude, je vous ai pris un grand kit. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors, pour participer d'abord au kit, je vais encore vous le réexpliquer après. Au kit, au concours. Il faut être abonné à ma chaîne. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, hop, on va cliquer sur abonner. On profite pour cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà. Et puis c'est tout. Donc vous mettrez en commentaire, vous mettez un petit mot, et dans ce petit mot, il faudra qu'il est marqué je participe, voilà, au concours. Donc, comme j'avais fait pour le précédent concours, hein, avec vu les circonstances actuelles, j'ai désinfecté le colis, hein, donc il n'y a aucun souci. Bon, là le plastique comme la dernière fois est déjà parti à la poubelle, hein. J'ai désinfecté avant de le déballer et je vous ai désinfecté le carton, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on reste prudent. Alors c'est un, comme j'ai dit, c'est un grand kit. Alors d'abord, je vais expliquer un truc. Victoria Moon m'avait contacté pour me demander, parce qu'ils ont fait une nouvelle rubrique sur leur site internet, et donc ils m'avaient contacté pour cette rubrique en me demandant de choisir, si je voulais bien choisir un kit. Donc ça, ce sera une prochaine vidéo, si je voulais bien choisir un kit dans cette nouvelle rubrique. Voilà. Donc j'ai dit oui, et donc j'ai choisi, et c'est là que j'en ai profité pour demander si vous voulez participer à un concours sur ma chaîne. Et donc ils ont accepté, donc j'ai choisi le kit, et comme d'habitude j'ai choisi quelque chose que moi j'aimais et que je pense que vous allez aimer. Mais bon, jusqu'à maintenant, vous avez vu, je me suis rarement trompée sur le choix des kits pour les concours. Et quand j'ai reçu le kit, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? Je ne savais plus quel kit j'allais mettre pour le concours, si c'était celui que eux m'avaient proposé ou si c'était celui que moi je vous avais choisi, parce que je l'adore. C'est vraiment, c'est un kit déjà qui me tape à l'œil déjà depuis un bon moment. C'est un kit que je veux absolument faire, et je vous jure, j'ai douté. J'ai douté, j'ai dit, je le mets au concours ou je ne le mets pas? Mais non, j'ai dit non, je ne fais pas ça aux copines. Moi, je vais me le recommander après. Ce kit, je vais me le recommander après, ça c'est sûr, parce que je... Mais alors, je l'adore vraiment. Et, il est trop, 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 trop beau. Et donc, il n'y a pas de souci. Le kit est bien pour vous. Voilà. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai quand même... J'ai dit, je sais pas. Je sais pas si je leur donne. Mais si, 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 je vous le donne. Allez.
Bon, blague à part maintenant. Donc, le deuxième kit, ce sera une deuxième vidéo. Ce sera une vidéo unboxing où je vous montrerai le kit. Et puis, il y aura une vidéo où je ferai le kit, comme d'habitude. Donc là, comme pour le précédent concours, c'est un kit, c'est un tableau qui fera 50 sur 70 cm. Voilà. Donc, c'est un très grand. Donc, je vous montre déjà la toile. Voilà. Et je vous montre derrière également. Vous voyez, elle n'est pas abîmée du tout, hein. Hop. Alors, c'est une 50 sur 70. Voilà. Je vous montre la taille ici. Et il y a 32 couleurs. Voilà. Donc, il y a la petite feuille de route. Bon, il n'y a pas le dessin sur la feuille de route, mais vous avez toutes les références. Voilà. Je vous fais l'anglais, hein. Je ne montre pas le dessin tout de suite. Hein. Et donc, la toile, je vais vous la montrer. J'y vais doucement. Voilà. Je vous montre la qualité de la toile. Et elle est nickel, hein. Comme d'habitude, de toute façon, sans y aurait eu un souci sur la toile, je ne l'aurais pas fait gagner au concours. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la boutique, c'est Victoria Moon. Voilà. Donc, je vais mettre la toile sur le côté. Ici, j'ai tout le paquet de perles. Voilà. Et là, vous êtes en train de dire, mais Didi, montre-nous le dessin de la toile. On veut le voir. Vous voulez le voir? Allez, je vous montre le dessin de la toile. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Il est chouette, hein? Voilà. Donc, moi, j'adore vraiment ce tableau. Là, en plus, je l'ai sur l'ordinateur. Quand je regarde, c'est vrai que pour le premier jour que je l'ai vu, ce tableau, c'était pas sur Victoria Moon, hein, je l'ai vu sur une autre boutique. J'ai vraiment flashé dessus. Je l'adore vraiment. Mais je le ferai. Alors, je vais vous montrer. Je ne vais pas vous sortir toutes les perles. Hein, comme... Donc, ce sont des perles carrées. Elles sont dans des sachets zippés. Voilà. Donc, vous n'aurez pas le souci de refaire des sachets après quand il vous restera des perles. Vous avez bien toutes les références de noter dessus. Donc là, ici au milieu, c'est la référence DMC. Le chiffre à la fin, c'est le nombre de grammes de perles. Et là, c'est par exemple ici, c'est le 19, c'est ce qui correspond à la couleur, au premier chiffre de couleur. Voilà, ici, voilà, c'est la première colonne. Ici, voilà, là, la deuxième colonne, c'est le DMC, la référence couleur. Donc voilà, donc ce sont des perles carrées. Je vous montre. J'espère que ça floute pas trop. Donc là, il y a du rose, il y a beaucoup de rose parce que bon, j'avais vu, hein, sa robe est très rose. Alors, je suis en train d'essayer d'attraper le kit. Je mettrai tout bien après. Il est bien là. Voilà.
il y a des gros paquets. J'ai pas l'impression qu'il y ait du noir. Alors attendez, je vais regarder ici peut-être. Tac, 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 tac. Le noir, c'est quoi? 410, je crois. Non, mais je crois pas qu'il y ait du noir. Un petit peu, si pour le museau de l'ours. Il y a là. Hop. 310. Oui, 310. Pourquoi je dis 410? Donc voilà, il y a juste ça en noir. Voilà, voyez. Donc ça va. Je sais pas ce que bon, c'est une des couleurs quand même les plus difficiles. Enfin, pour ma part à moi, c'est une des couleurs les plus difficiles à poser. Surtout quand on a une vue qui baisse. Donc quand il n'y a pas beaucoup de noir, c'est bien. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais donc vous voyez, il n'y a pas énormément de perles noires. Hein. Voilà, il n'y a que 8,03 g. Donc ça va. En blanc, il y a c'est ça. Donc ça va. Après, c'est toujours beaucoup des couleurs. Donc en rose, il y a quand même plusieurs roses. Voilà. Vous voyez. Il y en a encore dans le paquet. Hein. Donc il y a plusieurs déclinaisons de rose. Là, j'en ai encore. Il y a des bleus, des verts. Il y a du marron. Il y a plusieurs sortes de gris. Les bleus, il y a plusieurs sortes aussi. Donc, voilà. Et avec, donc, il y a le petit kit que l'on a toujours. Voilà. Donc, le petit plateau avec le petit bec. On a le petit stylet avec la petite mousse pour les doigts qui va bien. La petite pince en métal noir. Hein. Ça, c'est la pointue. Hein. C'est la meilleure, hein, celle-là de pince. Là, on ne le voit pas bien, mais voilà. Vous avez le carré de petite glue. Et ici, un sticker de papier blanc pour vous refaire des étiquettes sur vos boîtes ou sur vos sachets. Voilà, donc ça c'est pour faire des petites étiquettes. Donc je vous ai dit le nombre de couleurs, hein, il y a 32 couleurs, donc c'est bien. Voilà. Donc moi je vous l'ai choisi en 50-70 parce que c'est quand même une toile qui a quand même pas mal de détails. Parce qu'il y a quand même dans le fond de l'image, il y a quand même des arbres, il y a de la neige qui tombe, puis dans la robe de la fille, il y a quand même beaucoup de. C'est une robe avec un genre de dentelle, ouais, c'est la dentelle, donc il va y avoir quand même pas mal de reflets de différents roses, donc c'est pour ça que j'ai préféré vous la choisir en très grand. Et puis de toute façon, moi je vous choisis toujours, j'essaye toujours, quand la boutique accepte, de vous prendre des grands tableaux, parce que je trouve que le rendu est beaucoup mieux. Voilà. Donc, écoutez-moi là, j'espère que ça va vous faire plaisir, que le kit vous plaît, hein, que le modèle que j'ai choisi va vous plaire. Que la taille que j'ai choisie vous plaît également. Donc là, comme j'ai dit, on démarre. Alors, je vais mettre mon calendrier sur le téléphone, sur l'ordinateur. Alors, la fête des mères, donc c'est le dimanche 7, donc aujourd'hui. Et donc, je vais faire jusqu'à... Ah ben voilà, ça va tomber bien. Alors, on démarre le concours aujourd'hui, jour de la fête des mères. Et le concours s'arrêtera le 21 juin, jour de l'été. Voilà. Comme ça, on va se rappeler des dates. Voilà. Donc, le jour de l'été, le concours s'arrêtera. Et donc, moi, je ferai le tirage au sort le lendemain, le 22. Donc, et je vous mettrai ça en ligne le 22 ou le 23. Donc comme j'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, hein, pour participer. Évitez de vous désabonner juste après le concours, c'est plus sympa.
Parce que là, bon, j'ai vu que sur le concours précédent, il y a des personnes qui se sont désabonnées juste après le tirage au sort. C'est venir s'abonner sur une chaîne juste au moment du concours et puis se retirer, je ne trouve pas ça très sympa. Voilà. Si c'est juste pour venir gagner un truc gratos et puis qu'on n'en a rien à foutre de la chaîne. Excusez-moi, je parle comme ça, mais bon, c'est ce que je pense. Je trouve ça pas sympa. Donc, si vous vous abonnez et que vous aimez la chaîne, voilà. Ne venez pas vous abonner que pour le concours et venir vous retirer le jour du tirage au sort. Et de vous désabonner parce que vous avez vu que vous avez perdu. Voilà. C'est pas. Non, c'est pas sympa. Voilà. Mais bon, j'en ai eu quelques-unes. Voilà. Bon, moi, je le vois. Hein. Donc, j'ai les compteurs. Je le vois sur mes compteurs. J'ai la liste des personnes abonnées. Voilà. Mais bon. Je referme les parenthèses. Donc voilà, le concours démarre aujourd'hui. Alors allez-y dans les commentaires. J'espère que vous serez encore aussi nombreuses et même plus que le dernier concours. Hein. Le dernier, je vous dis, on était 149 personnes à participer. Donc j'espère que vous allez encore battre le record cette fois-ci. Je profite en même temps pour vous dire que j'ai commencé à voir à demander à d'autres boutiques partenaires pour les concours, pour le concours de la rentrée. Donc, on verra. Voilà. Là, maintenant, j'attends les réponses. Et puis, voilà. Donc, là, je vais vous laisser mettre vos petits commentaires. Hein. Donc, vous avez donc 15 jours pour participer au concours. Hein, le jour de l'été, donc le 21. J'arrêterai le concours le 21 vers 21h, hein, oui, 21h, 22h. Je mettrai en titre clôturé, comme ça vous saurez que le concours est terminé. Et donc je ferai le tirage au sort le 22. Voilà. Et il sera en ligne donc le 22 au 23. Voilà. Allez. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt et soyez nombreux à participer. Et on s'abonne et des petits pouces. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.